I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Salut, c'est Elodie, An Eating Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière et que vous avancez bien sur tous vos projets en cours, tous vos ouvrages en cours plutôt, et que vous ne faites pas trop de craquage les deux. Enfin, je dis ça, mais si, en vrai, hein, faites-en plein, hein, vous avez, c'est pas moi qui vais vous juger. On va démarrer cette semaine, donc on est mardi, moment de ma pause déjeuner. Hier, j'étais occupée, bien occupée toute la journée, parce que j'ai gardé ma petite filleule, comme la semaine d'avant. La semaine prochaine, par contre, je ne la garde pas lundi, donc j'aurai une semaine avec deux jours complets de repos, entre guillemets. Parce que même si j'adore la garder, c'est une journée un peu fatigante, hein, quand on passe la journée avec une petite puce d'un an et demi. Mais au moins, ça me prépare, hein, n'est-ce pas? Ça me prépare pour les années à venir avec notre propre enfant. Mais bref, je divague. Si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Elodie, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille avec mon chéri et mon chat qui s'appelle Aaron et que vous voyez de temps en temps passer à l'arrière de ces vidéos. J'attends actuellement mon premier enfant qui sera une petite fille. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel en cours que je suis en train de tricoter pour elle. Et donc je tiens cette chaîne YouTube depuis à peu près 7 ans, je publie une vidéo plus ou moins toutes les semaines en ce moment, donc vidéo pendant laquelle je vous montre un peu toutes mes avancées au jour le jour de tricot, donc je parle uniquement de tricot. Je suis en train de boire mon petit déca du midi avec ma nouvelle tasse que j'ai reçue dans la box Arco Iris sur la thématique de Stranger Things, donc la tasse Stranger Knits. Je l'adore, je ne la lâche plus depuis que je l'ai reçue, je la trouve tellement, tellement mignonne. Avec le petit mouton Demogorgon, trop trop chou. Et d'ailleurs, je pense que cette semaine, je vais mettre en cake les chevaux Stranger Things que j'ai reçus, parce que j'ai très envie de le tricoter, il est vraiment trop trop beau. Donc j'ai très envie de le tricoter et j'ai pas envie de faire comme l'année dernière avec mes échevaux de Yarns of Thrones qui ne sont toujours pas tricotés. J'aimerais bien que mon club Stranger Knits, que dès que je reçois un écheveau, je le tricote tout de suite parce que de toute manière c'est forcément pour faire des chaussettes. Donc autant que je les fasse au fur et à mesure de l'année quoi. Comme ça à la fin de l'année je pourrais vous montrer toutes mes chaussettes sur la thématique de Stranger Things. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais boire une petite gorgée de café. Première chose, c'est que j'ai terminé mon châle étole monarque de laine poudrée. Donc, c'est un patron de Laura, laine poudrée, que vous pouvez trouver sur Ravelry. Et qui est un patron qui va se tricoter. On va démarrer par un montage en I-cord pour démarrer une pointe. Le châle est construit avec un I-cord de chaque côté que vous faites le long du tricot. Des petits motifs de... Alors, c'est pas vraiment des torsades parce qu'il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires, mais de petites torsades à jeter. Des mailles torses. Et donc, tout le long, on a une très belle dentelle japonaise que vous voyez juste ici. Alors là, il n'est pas encore bloqué. Donc, la dentelle n'est pas encore n'est pas encore étirée. Moi, c'est donc je l'ai tricoté en aiguille 4 au lieu de le tricoter en aiguille 4,5, ce qui fait qu'elle est un peu moins large, je pense, que la version initiale. Mais comme c'est un châle écharpe, moi, ça me va très bien. Et en longueur, normalement, je suis pas mal, en sachant que toujours même principe, comme c'est pas bloqué, je devrais gratter quelques centimètres. Mais donc, c'est pile poil, hop, il y a pile poil de quoi faire le tour de cou, donc ça fait un mode écharpe qui me convient très bien. Parce qu'avant, je tricotais plein de châles, mais au final, je les porte pas tant que ça. Surtout les châles triangulaires, parce que ça va pas avec mon style vestimentaire, je me sens pas de les porter, quoi. Donc, les seuls châles que je porte de temps en temps, c'est le Birds of a Feather de Andrea Mori.
Et puis le brioche à l'écheuse, donc deux châles de André Amaury. Les autres, au final, je les ai donnés ou vendus. Et donc, c'est un châle que j'ai tricoté en mélangeant deux laines. Alors, une laine qui vient d'une teinturière qui n'exerce plus, qui s'appelait Petit Bout de Laine. C'était la qualité Sweet Light, qui était composée de 65% mérino, 20% de soie et 15% de yak. Et donc, il y avait 480 mètres au 120 grammes. Et donc, c'était une laine qui m'a été offerte par Pascal. Gros bisous si tu passes par là. Et j'ai doublé ça avec de la lace de chez Lang. Dans un coloris qui s'appelle Toffee, je crois, et c'est le coloris 68. Je les ai pas là. Bon, c'est pas grave, je les ai montrés plein de fois. Si vous voulez plus d'infos sur ce projet, vous pouvez soit attendre le prochain podcast, que j'ai très envie de filmer. Alors là, il y a mon Ingrid Sweater par-dessus, mais je vais pas le représenter. Mais ici, j'ai mis tous mes objets finis récemment. Faudrait que je tourne un épisode parce que j'ai très envie de le faire. Mais comme je gardais ma filleule là tous les lundis, j'avais pas le temps de me poser pour tourner parce que j'en ai pour 2 heures là, je pense. Donc lundi prochain, normalement, je devrais tourner un épisode de podcast, ce qui va me laisser le temps de la laver et la bloquer pour pouvoir la présenter comme il faut. J'ai déjà rentré les fils. En fait, moi, à chaque fois, je rentre les fils, mais je les coupe pas. Je les coupe après blocage pour être sûr au cas où ça bouge, que ça bouge pas trop justement. Donc, laver, bloquer d'ici la semaine prochaine. Il faut que je lave et que je bloque mon pink fizz aussi. Je l'ai toujours pas fait. Je suis un peu en mode flemme en rentrant du boulot le soir. J'ai rien envie de faire à part tricoter. Donc, du coup, je fais forcément un peu de ménage. Sinon, ça serait carnage à l'appart. Mais du coup, c'est le genre de choses où j'arrive pas à motiver de le faire, quoi. Mais donc voilà, un objet terminé. Donc au final, je me retrouvais avec pas tant d'encours que ça. Parce que sur le mois, depuis début janvier, février, mars, là au final, j'ai terminé pas mal de trucs. Et j'ai pas monté tant de trucs que ça. J'ai monté... Hop, ça, je vais quand même le mettre sur ma pile. J'ai monté le ranunculus récemment. Donc je vais vous montrer un peu mon avancée dessus. J'ai pas tricoté des masses sur le ranunculus. Parce que j'ai été pas mal pris par un autre en cours que je vais vous montrer après. Mais je l'ai quand même tricoté un petit peu, et notamment hier pendant que ma filleule faisait la sieste, j'ai tricoté quelques rangs. Mais donc c'est un modèle de Midori Heroes que tout le monde connaît, enfin ça sert plus à rien de le présenter, mais donc c'est un modèle en yoke avec un joli empiècement à motifs, avec un peu de dentelle et des motifs. Et donc je tricote ça dans un mélange de laine de chez Maison Corlaine. Il y a une base Fisherman qui est du Wensleydale en fingering et son Suri. Et donc les coloris c'est Murdoch et Alsander. Et donc ça me donne un super super joli bleu très très foncé, très profond. Et donc depuis la semaine dernière j'ai tricoté peut-être 1,5 cm de mon corps. Voilà, j'ai pas tricoté grand chose. Mais bon, il n'y a pas de pression, il avance comme il avance. Faudrait que je le mette sur un plus grand câble pour pouvoir l'essayer, vérifier ce que ça donne. Mais ça a l'air bon. Enfin, a priori, je pense pas que j'ai de soucis. Il va pas être extrêmement large, mais il va m'aller quoi, sans problème. Donc voilà, rien de spé à vous raconter sur le ranunculus pour ce début de semaine. Objectif de la semaine sur celui-ci, dans un monde idéal, ce serait de faire au moins la moitié du corps. Voilà. Au début, j'allais dire finir le corps, mais impossible parce qu'il y a d'autres ouvrages là que j'aime trop tricoter. Mais ça serait bien que je fasse la moitié du corps. Donc en gros, que je tricote une 15aine de cm. C'est une grosse taille d'aiguille. Donc c'est que des mailles en droit. Donc ça devrait pouvoir se faire, quoi. C'est pas compliqué. Et donc, en cours récent, je vous avais montré la semaine dernière mon début du pull Whitmore, donc modèle qu'on ne présente plus, pareil, qui est réalisé par tout le monde en ce moment. Il a un relent de hype autour de ce patron. Donc c'est le pull Whitmore de Amy Loden, qui est réalisé par plein de personnes, et notamment en ce moment, donc moi je le tricote en duo avec le Teto, Ségolène. Si vous connaissez pas son podcast, allez la voir parce qu'elle est trop cool, Ségo. Et elle fait beaucoup rire et elle a plein de beaux projets. Et donc on a monté un petit cal sur Instagram, donc si jamais vous le tricotez le Whitmore en ce moment ou que vous avez envie de le lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous rajouterai la conversation.
Mais donc, c'est un patron que je tricote en mélangeant du mohair que j'ai acheté au Petit Point Parisien. Donc c'est du mohair et soie, il y a 72% de mohair, 28% de soie, 420 mètres au 50 grammes. Et c'est le coloris Prairie numéro 2. Donc une base crème avec plein de speckles de toutes les couleurs. Je double ça avec la Wild and Soft de chez Guépard Yarn que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Donc c'est un fil fingering c'est du light fingering parce qu'on a 240 mètres au 50 grammes, donc 480 mètres au 100 grammes. Et donc on est sur une base de Merino, laine Merino et du silk Tussa. Alors je sais même pas c'est quoi la traduction, Wild Tussa Silk, je vais regarder. La soie Tussa sauvage. Soie sauvage connue sous le nom de Tussa est produite... Ah oui, c'est une chenille. C'est une chenille, pardon, la soie de chenille. Ensuite, donc, voici ce magnifique yoke du pull Whitmore que j'ai déjà sacrément avancé parce qu'il est très dur à lâcher quand on commence. Donc on démarre par le haut, on tricote des côtes. Moi j'ai fait un montage en German Twisted Cast On. Dans le patron, elle préconise un long tail, mais je trouve que le German Twisted Cast On est un peu plus souple que le long tail et surtout que la finition est un peu plus jolie. Donc si on a la flemme de faire un montage tubulaire, je trouve que c'est une bonne intermédiaire. On tricote 4 cm de côte et ensuite on fait donc l'empiècement circulaire. Donc le principe c'est qu'on va tricoter une dentelle en faisant des augmentations, en faisant des rangs d'augmentation tous les X nombre de rangs. Et donc là en l'occurrence ces augmentations se font grâce au motif de dentelle qui est magnifique. Alors j'ai juste fait une boulette. Où est-elle? J'ai juste fait une boulette ici. Hop là. Sur ce motif là, mais au final ça se voit presque pas, c'est ici en fait, j'ai décalé ma maille centrale sur un rang. Écoutez, franchement c'est dans le dos, personne ne verra, donc ça va pas m'empêcher, enfin je vais pas le refaire pour ça. Là je viens de le passer sur un câble 80 cm il me semble. Et puis je vais continuer mon yoke tranquillement. J'ai pas encore choisi la taille que j'allais réaliser, si je le faisais en taille M ou S, parce que je trouve que le yoke des fois il est un peu trop grand. En fait j'ai pas encore choisi parce que je tricote avec les aiguilles recommandées par le patron, c'est-à-dire des aiguilles 4, mais comme ma fingering c'est une light fingering, je pense que je n'aurai peut-être pas le bon échantillon, donc il y a des chances que je finisse à faire la taille M pour avoir à peu près l'équivalent de la taille S. Voilà. Donc ça je déciderai au fur et à mesure en fonction de ce que ça donne. Là j'ai pas encore fini le motif de dentelle, il me reste une dizaine de rangs avant de devoir faire mon choix de taille, donc comme ça après je pourrai l'enfiler, regarder où j'en suis et aviser en fonction. Et donc je suis trop contente du rendu de la laine que je trouve absolument magnifique et c'est effectivement un modèle très addictif à réaliser. Je suis déjà en train de me dire que dans quelle combinaison de laine je pourrais me faire un deuxième Whitmore. Mais limite, j'ai envie d'en commencer un en parallèle, quoi. C'est vraiment addictif. Et d'ailleurs, dans quel combo de laine je pourrais me tricoter un deuxième Whitmore? Non, on va se calmer, Elodie. On va déjà faire celui-là. Il y a déjà tellement de trucs que j'aimerais faire, tellement d'ouvrages que j'aimerais réaliser. Mais là, j'ai vu notamment, je trouve qu'il y a de très belles versions en caramel. Ça rend vraiment très très bien. Je trouve également qu'il y a des très belles versions dans des verres. Donc ça peut être une idée aussi, ce serait très très beau. Et il y a des très belles versions aussi dans des bordeaux rouges, et notamment... Non, c'est pas là. C'est là. J'ai Célène que j'avais acheté. Alors ça, c'est de la Knitting for Olive que j'avais acheté en ligne quand ils faisaient des soldes, le coloris claré. Et ça, c'est de la Cautiva de chez Wool Dreamers, qui est une fingering un peu épaisse. 170 mètres au 50 grammes, donc 340 mètres. Donc en fait, c'est peut-être de la sport, en équivalent de sport plutôt. Mais donc en 100% laine, et ce type de coloris sur un Whitmore, je trouve que ça pourrait être très joli aussi. Là, pour le coup, il faudrait que j'adapte un peu l'échantillon, mais à voir.
Et dernière chose pour ce midi, rapidement, parce qu'en fait je suis bavarde et je vais finir par être en retard à force. J'ai démarré la petite robe Flora dont je vous parle depuis un petit moment. Donc c'est une robe d'une designeuse américaine qui s'appelle Jessica McDonald, qui ressemble à ceci, qui se tricote en Ulysse de Dererum Natura. Et donc j'avais passé une commande et j'avais acheté pas mal de coloris. Et donc je suis juste en train de vérifier les noms des coloris, ouais. Et donc au final, après avoir pas mal tergiversé, hésité sur les combos de couleurs et la taille, je la tricote donc en taille 6 mois pour que je puisse lui mettre cet hiver un petit peu. Et je referai une taille d'un 2 ans quand elle aura 1 an et quelques. Mais j'avais trop envie de la tricoter, même si au final je lui mets deux fois pour des occasions, c'est pas grave, c'est tellement mignon. En coloris principal, j'utilise le coloris sauge. Et donc en coloris contrastant, j'utilise de la commande que j'avais passée, le coloris émeraude, qui est superbe. Et j'utilise du cyprès, qui est le coloris que j'avais utilisé pour mon pull traveler de Andrea Mori. Et j'utilise le coloris poivre et sel, qui m'a gentiment été donné par MJ quand je suis passée la voir, donc Margiva. Si jamais vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube parce qu'elle a plein de vidéos, elle fait des sacs à projets, elle fait beaucoup de couture, elle a une entreprise en fait où elle vend des projets cousus trop beaux, donc n'hésitez pas à aller voir Margiva si vous ne la connaissez pas déjà, mais à mon avis vous êtes pas mal à déjà la connaître. Mais donc voilà, mon combo de couleurs pour ce superbe jacquard, la Ulysse à tricoter en jacquard, c'est un bonheur, franchement trop facile. Et donc hop, voilà mon bébé début, c'est pas trop mignon. Et le point, il est mais hyper beau. Alors est-ce que, comment je peux faire? Comme ça. Non. La définition du point est hyper belle. Et donc, là j'ai tricoté deux parties du motif du jacquard qui se tricote en quatre parties. Donc là, je suis sur la troisième partie du motif de jacquard. C'est beaucoup, beaucoup trop mignon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à rentrer les fils pour éviter que ça traîne dans tous les sens. Et j'ai pas du tout croisé mes mailles parce que déjà, il n'y a pas besoin au vu du nombre de... Enfin, par rapport au motif, il n'y a pas besoin. Et en plus de ça, avec la Ulysse, il y a encore moins besoin, quoi. C'est vraiment agréable à tricoter pour du jacquard, la Ulysse. Et c'est trop beau. Donc voilà, mon petit début de Flora. Ça, en gros, je vais pas forcément tricoter au jour le jour, mais je vais me faire des sessions de tricot. Je vais pas mal l'avancer. Parce que là, en ce moment, du coup, bah voilà, le Whitmore, franchement, c'est un peu difficile de le lâcher. Tellement il est agréable à tricoter et que le motif est addictif, quoi. Mais donc, du coup, on a combien d'encours? On a la robe Flora, mon pull Whitmore et mon ranunculus, ça en fait 3. Et puis les chaussettes Una que j'ai amenées au boulot pour commencer à les réavancer. Donc je vous les montrerai plus tard. Donc sur le ranunculus, faire une moitié de corps. Sur mon Whitmore, finir le yoke et faire la séparation des manches. Et sur la robe Flora, j'aimerais bien pareil, finir le yoke et faire la séparation des manches dans la semaine. Voilà pour le petit programme dans mon monde idéal. On verra si je le tiens ou pas. Donc écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. On va voir dans la suite de cette vidéo si j'arrive à atteindre ces petits objectifs ou pas. Retrouve jeudi midi. Aujourd'hui, je porte pour la première fois officielle mon Pink Fizz de Andrea Mori qui est bloqué, terminé. Donc vous voyez, les points de la manche se sont quand même bien lissés. Donc c'est un poil moins lisse que sur le reste du pull, mais écoutez, faut vraiment rechigner. Donc voilà, je suis très contente de le porter officiellement pour la première fois et j'en suis vraiment ravie. Il me reste une pelote de Onion et je me dis que je vais peut-être me tricoter une paire de sockets avec le motif central de la dentelle. J'y réfléchis, il n'y a rien de certain, mais c'est en cours de réflexion. Donc je reviens vous voir avec une petite avancée sur différents projets, différents en cours. La première chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai avancé un petit peu le jacquard de la robe Flora. Et je trouve ça tellement mignon.
Donc voilà où j'en suis. Je pense que j'ai mal géré la dominance des couleurs ici, mais bon, c'est pas grave. Sur le reste, ça le fait. Et donc du coup, j'ai quasiment terminé le yoke. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il doit me rester 4 ans du yoke. Enfin, 5 en comptant celui qui est en cours. Donc, une fois que le yoke sera terminé, je pourrai vous le montrer un peu mieux. Ça sera plus facile. Ça me semble grand pour une taille 6 mois, mais c'est peut-être moi qui me rends pas compte. Je sais pas. Écoutez, en tout cas, c'est très joli. On verra bien la taille que ça fait. Et je mesurerai après pour voir si j'ai le bon échantillon ou pas. Mais donc, très contente de cette petite avancée. Et c'est vrai que c'est addictif. Et je réitère, mais vraiment tricoter du jacquard avec la Ulysse. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est vraiment très agréable. Donc voilà pour la première petite avancée. Deuxième petite avancée que je voulais vous montrer, c'est sur mon pull Whitmore. Mon pull Whitmore, j'ai quand même bien carburé dessus. Hein, parce que regardez ce qu'il me reste de ma première pelote et de mon mohair. Combien j'ai tricoté? Et oui, j'ai tricoté 40 grammes de la pelote quand même. Hein, donc j'ai carburé. J'ai carburé. Et donc voici où j'en suis. Alors, je vais juste faire attention de l'étirer un peu sans prendre le risque de perdre des mailles. Mais voilà où j'en suis de la dentelle. J'ai quasiment fini le motif qui est le même pour toutes les tailles. Et donc l'étape suivante, c'est de continuer le motif en fonction de sa taille. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs d'augmentation. Ce motif-là, il est quasiment terminé. Et donc après, je vais avoir... donc je vais tricoter la taille M. Par rapport à mon échantillon, et puis en ayant regardé un peu des vidéos, notamment la vidéo de Tricolibri, etc., par rapport au fit qu'elle a sur elle, et en sachant que moi, je suis quand même un peu... Je suis moins fine que Tricolibri. Du coup, je vais faire la taille M. Et donc, vu qu'il y avait une petite... Ah oui, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais comme il y a pas mal de personnes qui m'avaient envoyé des messages en disant... moi, je tricote le pull Whitmore, ou moi, j'ai envie de tricoter le Whitmore. Il y a notamment aussi... la provinciale, donc Corinne, qui m'a mis un commentaire en disant que ça faisait des mois qu'elle avait le patron dans sa bibliothèque, qu'elle avait envie de le faire, mais qu'elle n'osait pas trop se lancer, qui normalement devrait se lancer, on va voir. Mais donc, on a créé un groupe de discussion sur Instagram avec Ségolène, donc si jamais vous tricotez le Whitmore et que vous voulez nous rejoindre, ou que vous avez envie de vous mettre à tricoter, n'hésitez pas. Et donc, voilà. Hop, ce que ça donne. Je suis vraiment contente du rendu de la laine. C'est très joli. Les trous-trous sont pas trop gros. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que pour construire ce motif, il faut faire une double diminution centrale. Et il n'y a pas d'indication. Et donc la double diminution centrale, c'est qu'ils mettent glisser deux mailles, tricoter la suivante et passer les deux mailles glissées par-dessus. Et il n'y a pas d'indication sur le comment glisser ces deux mailles. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée regarder un peu sur Internet, sur des blogs notamment. Et donc, j'ai suivi les conseils qui étaient indiqués, c'est-à-dire de glisser les deux mailles à l'endroit ensemble. Et ça me donne ce rendu-là. Voilà. Qui ressemble, je trouve, au patron. Donc voilà. Mais donc là, je devrais réussir à atteindre mon objectif qui est d'arriver à les séparations manche-corps, je pense, pour ce week-end, pour dimanche. Donc c'est cool, je suis bien contente et toujours un vrai plaisir de le tricoter, ce Whitmore. Vraiment, c'est la régalade. Où est mon sac à projet? Juste ici. Et donc ensuite, ce que j'avais à vous montrer pour ce midi, c'est que j'ai ramené mes chaussettes... Ouna, qui sont commencées déjà depuis un moment. Et donc les chaussettes Ouna, qui sont un modèle du livre 52 Weeks of Sock, que je tricote dans de la très jolie laine du chat qui tricote, la base Figaro dans le coloris fleurs séchées. Donc c'est une base avec nylon yak. Et voici où j'en suis.
de ma chaussette Ouna. Alors, je vais l'enfiler pour détendre un peu la dentelle. Donc, j'ai terminé toute la tige. Je suis très contente, ça rend vraiment bien ce motif dans cette laine. Et donc, j'ai commencé à tricoter le talon. Voilà. Donc, il y a un talon œil de perdrix avec de chaque côté du point mousse sur lequel on viendra relever les mailles après. Donc, pareil, je devrais atteindre mon petit objectif que je m'étais fixé pour la semaine, qui est de faire le talon complet. Là, je crois que j'ai fini de faire tous les allers-retours. Il faut que je fasse le talonné maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà pour ces petites chaussettes Ouna qui vont peut-être être un poil large, je pense, parce que la dentelle se détend pas mal, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et ce coloris est vraiment beau, hein. Très très satisfaite de ce coloris. Et une fois que j'aurai fait une chaussette Ouna, je pense que je ferai une chaussette d'un autre patron et je ferai la deuxième Ouna plus tard, j'ai envie d'alterner. Par contre, je sais pas encore si je fais une chaussette en jacquard parce que j'ai un peu envie, mais d'un côté je suis en train de tricoter de la robe Flora qui est du jacquard aussi. Sinon, je pense que je vais mettre en cake, je vous en ai parlé, mais mettre en cake les chevaux de Arco Iris Yarns. Ben, je vais vous le remontrer. Donc celui-ci, les chevaux Arco Iris que j'ai reçus dans la box Stranger Things pour pouvoir me tricoter une jolie paire de chaussettes dans cette magnifique laine. J'ai hâte de voir ce que ça donne en cake et les chevaux dépliés. Je vous filmerai ça si j'y pense. Donc ça, je vais laisser sortir. Donc voilà. Et donc autre chose, j'ai une illumination ce matin. Alors, impossible de vous expliquer pourquoi j'ai eu cette illumination, parce que pourtant, enfin je sais pas, il n'y avait pas de personne parler de ça. C'était en regardant le podcast de Tricolibri, pourtant qui parlait plus de Whitmore, etc. J'ai une illumination. En fait, j'avais dans un sac à projet mis de côté des laines pour me tricoter le spot sweater de Anne Fensel, qui est un patron qui avait été fait par Lysandre en full jacquard. Et je sais pas, je me sens pas de le tricoter, en fait. J'ai la flemme. Je pense que techniquement, il est pas forcément des plus simples. Mais j'ai très envie de tricoter les laines que j'avais affectées à ce projet-là parce que c'est des belles laines que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai envie de tricoter un peu des vieilles laines pour renouveler un petit peu mon stock de laine. Enfin, au moins qu'il y ait des sorties. Et donc, ça fait des années, des années, des années que j'ai ces laines qui en plus sont des laines absolument magnifiques parce qu'en fait, ça, c'est de la base Baby Alpaca soie cachemire de chez Laine Amourée. Donc, fil absolument merveilleux, quoi. Et sauf que je les avais achetés pour faire à la base, et j'avais tricoté quasiment la totalité, d'un pull V-neck boxy de Rory Locatelli, mais en fait la taille n'allait pas. Et donc j'avais tout détricoté. Et mon idée, ce serait de la doubler pour obtenir une épaisseur de fil de DK. Et je pense que je vais me faire, au lieu de me faire le spot sweater, donc c'est très beau hein, ça, hein. Mais le problème de ça, c'est que ça va être très long à faire et je me connais, ça va me saouler. Et en plus, je me dis que là, avec la grossesse et le fait qu'après, je vais avoir un enfant en bas âge, je vais avoir beaucoup moins de tricot, je vais beaucoup moins pouvoir me focaliser sur le tricot en tant que tel. Et en fait, j'ai pas envie de me retrouver avec un projet qui est au dodo pendant X temps, qu'à chaque fois que je le reprenne, j'ai du mal à le reprendre parce que je sais plus où j'en suis, etc. Donc, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que je vais tricoter le Marseille Sweater de Petite Knit, qui est un pull tout simple, forme qui va à tout le monde, et qui est un espèce de principe de marinière avec des rayures épaisses. Et donc, je vais le tricoter avec ces laines en coloris principal que je vais doubler. Et puis, je vais utiliser donc les laines que j'avais prévues pour le Spot Sweater, donc ce reste de mon pull Zaza que je vais mélanger avec ce mohair. Ce reste de l'énamourée Basaphrodite dans le coloris Un dimanche chez grand-mère, c'est des laines qui m'avaient été offertes par Olivier au Kiel. Gros bisous si jamais tu passes par là, que je vais doubler avec ce mohair. Ces restes qui sont des restes de Madeleine et Philibert coloris Londres que j'avais utilisé pour tricoter un gilet en test pour Loli Lafay. Et donc je vais tricoter avec ce rose-là. Et j'ai juste un petit doute sur la dernière rayure parce que je trouve que tout est harmonieux sauf ce rose-là qui dénote un petit peu.
Donc, soit je pars quand même sur ce rose-là pour le côté un peu peps, et ça peut fonctionner. Ou soit, sinon, l'autre option, c'est que j'utilise ça qui est un reste de R de Lune, que je doublerai éventuellement avec ce même mohair. Je sais pas trop. Après, je pense que ce que je peux faire, c'est de toute manière commencer par les trois autres et voir le nombre de rayures que je fais réellement. Parce que j'ai vu qu'en fonction des personnes, il y avait 3, 4, 5 rayures qui étaient faites. Donc je sais pas trop. Mais d'un autre côté, je me dis que peut-être ça, le côté peps, je pourrais faire le col de cette couleur-là. Je sais pas. Bon, c'est encore à mûrir, l'ordre des couleurs, etc. Mais en fait, pourquoi faire ça? Parce que dans ce sac à projet, j'ai plein de restes de rose et de gris dans des tons un peu différents. Rose, ça c'est du chéri rose également. Hop. J'ai du gris comme ceci. J'ai un autre chéri gris. Un gris qui me restait de la bien-aimée. J'ai un gris, je crois que ça, je sais plus ce que c'est, Arcoiris, je crois, mais je suis pas sûre. J'ai ce rose-là, qui était un mini que j'avais eu. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'avec tous ces restes, je fasse un châle de Steven West. Et donc je me dis que même si ça va me faire un peu encore des restes, si j'utilise ces laines-là que je viens de vous montrer pour le Marseille Sweater, les restes de restes, je vais pouvoir les intégrer dans ce châle. Donc ça me permettra de pas mal optimiser tout ça. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans un sac à projet et dès que j'ai fini un encours, je lancerai un Marseille Sweater avec toutes ces laines-là et ça va être trop cool à tricoter. J'ai trop hâte. Ça va être vraiment sympa. Déjà parce que les rayures, c'est toujours cool, ça permet de donner la sensation, ça donne envie d'avancer encore plus vite. Et puis c'est que des laines hyper douces, hyper agréables. Alors c'est pas de saison, hein, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, il fait pas encore trop chaud, donc je peux me permettre de tricoter ce genre d'ouvrage. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que l'avantage avec cet ouvrage-là, c'est que le Marseille Sweater, c'est que des mailles en droit. C'est une construction que je maîtrise. Donc même si je suis obligée de le mettre au dodo pendant un long moment, c'est pas grave, je pourrais le reprendre facilement, ça sera pas compliqué. Donc voilà pour mes petites réflexions du jour. On va déjà se concentrer sur finir ce qui est en cours, hein, ne pas recommencer à se lancer dans 15 000 ouvrages en même temps. Mais donc voilà un peu le programme. Ce soir, il y a match de foot de l'OM chez mes beaux-parents, donc je vais prendre mon ranunculus avec moi pour lui tricoter un petit peu devant le match. On croise les doigts pour que l'OM gagne, parce que s'ils gagnent, ils arrivent sur la phase suivante de la Coupe d'Europe, donc ça c'est cool. Et puis, bah écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, on se retrouve dans un jour ou deux pour poursuivre ou clôturer ce vlog en fonction. À toutes! Re du samedi midi. Pause déjeuner et j'ai plein de choses dont je veux vous parler parce que j'ai le cerveau qui est totalement en ébullition là depuis 48 heures, je sais pas ce qui se passe. Même 72 heures parce que déjà sur la portion d'avant du vlog, je vous parlais d'envie, etc. Première chose, avant d'oublier, déjà je porte mon pull Ingrid Sweater de Petite Knit, donc modèle qu'on ne présente plus, qui a été tricoté plein de fois. Moi ce qui m'a donné envie de le faire, c'est la version de Lysandre. Et donc, j'ai réalisé ma version avec de la Arweta de Filcolana coloris rouge de Chine et du mohair de chez The Woolly Skin coloris les liens du sang. Je passe rapidement dessus parce que je le porte souvent à force, vous devez le connaître par cœur. Deuxième chose, j'ai fini de bloquer mon étole Monarch. Donc, c'est officiellement un projet terminé. Il faut juste que je coupe les fils. Et donc, je voulais juste vous montrer. Hop. Elle s'est effectivement un petit peu détendue. Donc, la longueur, c'est parfait. J'ai de quoi plier sans que ça fasse ridicule. Enfin, faire un nœud sans que ça fasse ridicule. Ça me prend bien le coup. Donc, c'est parfait. C'est prêt pour l'automne de l'année prochaine. Si vous aimez bien faire des châles, mais que vous avez du mal à les porter sur des formes triangulaires, etc. Celui-là, c'est le bon compromis. Parce que du coup, la forme, c'est une forme plus écharpe que châle, en réalité. Et très sympa à réaliser. Et elle sent le câlin. J'aime trop l'odeur.
J'aime trop l'odeur de le câlin. Donc, ça va retourner sur ma pile d'ouvrages terminés que j'aimerais dans l'absolu présenter en podcast. Alors, avant de partir dans mes divagations, je vais commencer par vous montrer donc toutes les avancées que j'ai réalisées pendant la semaine, faire le petit point. On va commencer par mes chaussettes Una. Tiens. Mes chaussettes Una. Donc, je suis contente parce que j'ai atteint le petit objectif que je m'étais fixé, qui était de terminer le talon. Et donc, j'ai même fait donc, la totalité du talon et j'ai fait tout le gousset, donc toutes les diminutions à faire pour former le gousset. Donc, on a le début, les côtes, le motif de dentelle. Devant, on continue le motif de dentelle. Et à l'arrière, du coup, je vais être en jersey tout droit. Donc, c'est un peu plus rapide à tricoter à partir de là. Objectif atteint. Semaine prochaine, j'aurai une Una terminée, logiquement. Et je sais pas encore, j'arrête pas de changer d'avis. Peut-être que je me lance, je ferai tout de suite la deuxième, comme ça au moins c'est fait. Je sais pas, on verra. On verra, la semaine prochaine est une autre semaine. Je peux changer 15 fois d'avis entre-temps. Mais si vous avez le livre 50 Weeks of Socks, c'est un patron que je vous conseille, qui est très joli et qui est pas très du tout compliqué à faire. La dentelle se retient bien. Elle se fait sur 8 rangs, en sachant que sur les 8 rangs, il y a 4 rangs, c'est du tout droit, quoi. Enfin, il n'y a pas de dentelle. Donc, il y a 4 rangs de dentelle à retenir. Donc, ça se fait très, très bien. Et je vous conseille également, alors je ne l'ai pas encore porté, hein, mais en tout cas, la laine du chat qui tricote, la base Figaro, est très agréable à tricoter. Et vraiment, moi, je suis très fan de ce coloris fleurs séchées. Donc voilà pour la première avancée de la semaine, en sachant que quand je les ai repris, j'étais à la tige, j'ai fait 2 répétitions du motif, le talon et le gousset, donc j'ai raisonnablement avancé sur cet encours là pendant la semaine. Ensuite, mon pull ranunculus de Midori Heroes. Hop. Alors, je sais toujours pas si je prononce comme il faut, mais au moins je prononce comme ça s'appelle. J'ai tricoté à peu près la moitié du corps. Je suis peut-être pas encore à la moitié comme j'aurais voulu, mais je suis quand même pas très loin. Donc cette semaine, j'ai tricoté ça. Donc peut-être 5, 6, 7 cm, quelque chose comme ça. Là, je dois être à peu près à 14 cm sous l'emmanchure. Je pense que je vais continuer à tricoter encore ce soir ou demain. Et je mettrai soit sur un fil, soit sur un grand câble pour pouvoir l'essayer, l'enfiler, voir ce que ça donne pour que je puisse jauger à peu près de la longueur de corps que j'ai envie de réaliser. Parce que comme les emmanchures, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas jusqu'où elles vont tomber. Je ne voudrais pas tricoter trop de corps non plus. Donc, et puis comme je suis sur un câble qui est petit, je crois que c'est un 60 ou 80 cm, je ne sais plus, 60 peut-être. Du coup j'arrive pas du tout à me rendre compte quoi. Les mailles elles sont toutes tassées, donc j'arrive pas du tout à me rendre compte de l'ampleur. Si je me base là, j'ai quand même une bonne ampleur, donc faut que je prenne le temps de faire ça, de le mettre sur un autre câble pour pouvoir l'enfiler, voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En vrai, je pense que la semaine prochaine et notamment ce week-end, je vais essayer de pas mal me concentrer sur le ranunculus parce que les manches, ça va aller vite. Le corps, ça devrait aller vite aussi. Donc, je pense que je pourrais le terminer rapidement si je me fais un coup de motive et que je le tricote en priorité. Et puis, si je le finis vite, c'est un modèle là que je vais pouvoir porter pour le printemps sur les jours où il fait un peu frais le matin. Donc, autant le finir maintenant pour pouvoir en profiter un petit peu. Oh, et ça va être une douceur, mon Dieu. Oh. Incroyable. J'ai trop hâte. Donc voilà pour le petit ranunculus. Et donc j'ai pareil, hein, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse à peu près la moitié du corps cette semaine. Donc on y est quasiment. Tout va bien. Ensuite, truc trop chou, j'ai trop envie de vous montrer ma petite robe, la petite robe Flora. La petite robe Flora où je suis en train de tricoter
Eux, ils appellent ça la ceinture. Mais donc, j'ai mes manches qui sont mises en attente, juste ici. J'ai le début de mon petit corps. Oh là là, c'est tellement petit, c'est tellement mignon. Et donc, j'ai tout mon yoke dans mon jacquard. Et je suis contente parce que je pense que mon jacquard, il est pas mal. En tout cas, j'ai pas trop serré. Et je pense qu'au blocage, les mailles... Enfin, les mailles devraient gonfler quand même. La hulisse, elle devrait gonfler un peu et se lisser. Donc, je pense qu'on va être vraiment pas mal sur le jacquard. J'ai juste... du coup, dans le dos, c'est quand même moins net au niveau de la démarcation, au niveau de mes changements de fil. Mais c'est pas non plus catastrophique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même rentré pas mal de fils au fur et à mesure pour que ça soit moins la galère à la fin. En fait, tous les fils là, ils sont rentrés. Je veux juste attendre de le laver avant de les couper. Et il me reste ceux-là, là, à rentrer. J'ai pas été très maligne par moment. J'ai coupé le fil alors que j'aurais pu tout simplement le faire glisser. J'ai pas réfléchi. Comme je l'ai quand même souvent tricoté, soit le matin, pas très réveillée, soit quelques rangs le soir en rentrant du boulot, c'était quand même pas fameux. Mais du coup, ouais, je suis contente de mon choix de couleur. J'avais un peu peur que le beige il soit vraiment trop fade. Mais en même temps, je trouve ça joli comme ça, ça fait doux. Comme il y a le vert émeraude que vous voyez pas... que vous voyez pas à la perfection, hein, le vert émeraude. Mais comme il y a le vert émeraude qui est bien peps, je trouve que c'est très bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très bien. Et donc là, j'ai à tricoter ce qu'ils appellent la ceinture, c'est-à-dire je vais faire un peu de point mousse pendant quelques rangs. Et après, on va passer sur la partie robe. Donc j'imagine qu'il y aura des augmentations à faire, un peu comme un principe de yoke. Je vais voir ça. Je pense que... Là, du coup, c'est un peu... Enfin, cartonné, c'est pas le mot, mais c'est pas très souple avec le jacquard. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un blocage intermédiaire. Moi, je fais souvent des blocages intermédiaires pour différentes raisons. Soit, comme ici, c'est parce que j'ai envie que le tricot soit plus souple, plus agréable, et je manque de patience, et j'ai envie de voir ce que va donner le jacquard lissé. Et comme ça, en même temps, ça me permettra de couper les fils qui traînent à l'intérieur et d'éviter qu'ils feutrent. Ou alors je vais aussi des blocages intermédiaires comme je vais faire pour le Whitmore. Bah, ça va me faire la transition, je vais vous montrer maintenant l'avancée de mon Whitmore. Ou donc je vais faire des blocages intermédiaires pour pouvoir faire en sorte que le projet soit dans son résultat final. Et du coup pour pouvoir l'essayer de jauger si la taille est bonne, si j'ai besoin de modifier quelque chose ou pas. Avant je le faisais pas, ces systèmes de blocage intermédiaire. Maintenant je le fais quand même très régulièrement parce que en fait je préfère perdre du temps à laver, attendre que ça sèche et potentiellement avoir à la limite une légère frustration de me couper moi-même dans mon élan que de devoir détricoter totalement, détricoter partiellement ou de finir un projet mais au final ne pas le mettre parce que je trouve que la coupe ne me convient pas. Je sais que quand j'ai commencé le tricot, j'ai été beaucoup moins patiente avec ça. En règle générale, j'avais beaucoup de mal à détricoter. Du coup, je préférais foncer tête baissée et puis me dire, bon, ben, on verra bien comment ça se passe. Mais avec l'expérience, j'ai quand même beaucoup évolué avec ça. Donc, pour mon pull Whitmore, sur lequel je vais également réaliser un blocage intermédiaire. Pourquoi ? Parce que la dentelle, elle va quand même prendre de l'ampleur au lavage, logiquement. Elle va se détendre. Et du coup, comme ça, pareil, je pourrais changer de câble et l'enfiler pour vérifier que d'un point de vue taille, on est bon. J'ai un peu peur, je vous avoue, qu'il soit peut-être un peu petit. Alors, s'il est petit juste parce qu'en ce moment, j'ai plus de matière physique que d'habitude, ça, c'est pas grave. À ce moment-là, je le finis quand même et puis je le porterai d'ici l'hiver prochain. J'espère en tout cas avoir perdu une petite partie des kilos en trop qui feront que je pourrai le mettre. Mais je veux quand même vérifier voilà, qu'il soit pas vraiment trop petit et que je me sois plantée au niveau de la taille par rapport à mon échantillon. Parce que comme je l'avais dit, comme ma fingering elle est quand même un petit peu fine, je pense que je risque d'avoir un échantillon qui est quand même un peu différent. Donc voilà, plutôt que de me mettre au taquet à tricoter tout le corps risquer de me retrouver avec un ouvrage qui est trop petit, je préférerais avoir à détricoter un yoke que ne pas porter un pull que j'ai passé des heures et des heures à tricoter, quoi. Mais on va partir du principe que ça va le faire.
On verra. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai rajouté aussi quelques mailles au niveau du corps, en plus de ce qui est préconisé par le patron. En fait, elle fait faire un rang d'augmentation juste après avoir joint le corps. Et sur ce rang d'augmentation, j'en ai juste rajouté 2 en dessous de chaque bras. Donc c'est pas grand chose, mais je me dis que ça rajoute 1 cm quand même d'envergure. Donc ça peut peut-être faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, manches séparées, je suis en train de terminer du coup sur le corps le motif de la splendide dentelle. Et après pareil, quand je reprendrai les manches, du coup il y aura les motifs qu'il faudra finir. Mais foncez hein, à le faire, franchement. On a encore d'autres personnes qui nous ont rejoint sur le groupe de discussion sur Instagram. Et notamment Corinne, coucou si tu passes par là. Corinne de la Provinciale qui nous a rejoint et qui est en train de commencer son pull Whitmore. Donc j'ai hâte de voir une photo de sa version. Et il y a plein de versions trop trop belles. Il y a des versions à speckle, il y a des versions avec de la laine tweedée qui est très très belle en fuchsia. Il y a plein de versions trop trop belles. C'est un modèle qui va avec plein de coloris, je trouve. Et donc pareil, mon petit objectif, mes petits objectifs de la semaine pour la robe Flora et pour le Whitmore qui sont atteints. J'ai fini les yokes, séparé manche et corps sur les deux, donc trop bien. Hop. Et alors, là, on va partir sur mes divagations de tricoteuse et mon cerveau qui part dans tous les sens, qui a toujours plein d'envie. Je vais quand même sortir mon ranunculus pour tricoter un petit peu en même temps que je vous parle pour les moments où j'ai pas besoin de vous montrer quelque chose. Alors, comme très souvent... Hop, pardon, je récupère ma laine qui a roulé. Comme très souvent avec moi, alors si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes déjà au courant. Si vous débarquez depuis peu sur cette chaîne, vous allez vite vous rendre compte que je suis quelqu'un qui... à plein d'inspirations différentes, je réalise pas forcément tout ce que je dis que j'ai envie de faire, mais j'ai plein d'idées tout le temps. Des fois je vais partir sur une idée pour un combo de laine, je vais pas le faire, et puis un an après je vais repartir sur une autre idée pour ce même combo, et là par contre ça va finir par s'aboutir. Ça a été le cas notamment sur le ranunculus, les laines que je tricote pour faire mon ranunculus, ça fait des années que je les ai, et j'avais déjà commencé, j'avais commencé un châle avec... la fingering, et finalement j'avais détricoté parce que je me disais non. En fait, le truc c'est quand j'ai des laines vraiment coup de cœur que j'adore, j'ai vraiment envie d'être sûre de tricoter un ouvrage qui va leur rendre justice et qui va vraiment vraiment me plaire. Et donc c'est pour ça que des fois je mets un petit peu du temps pour me décider sur ce que je vais faire avec une laine en particulier. Alors désolée, mais je viens de me rendre compte que si je commence à perdre des mailles dans tous les sens, ça ne va pas le faire. On est bon. Donc tout ça pour dire que là je suis repartie un peu dans mon truc, j'ai plein d'idées, plein d'inspirations, je passe beaucoup trop de temps sur Ravelry à regarder les différents patrons que j'ai dans ma bibliothèque, comment je pourrais les tricoter, avec quelle laine, les patrons que j'ai dans mes favoris, comment je pourrais les tricoter, avec quelle laine, etc. Et donc je vous ai parlé il y a 2 jours de mon envie de également tricoter un peu des laines que j'ai depuis longtemps. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes que j'ai depuis 3-4 ans et que j'aime, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est qu'en fait, comme je pars à chaque fois dans tous les sens sur plein de projets, que je rachète de la laine entre-temps, et ben la laine que j'achète me plaît, donc très souvent je la mets sur mes aiguilles avant même de mettre des plus vieilles sur mes aiguilles. Et du coup, je me retrouve avec un stock avec trop de laine que j'ai depuis longtemps et que j'ai envie de tricoter. Donc je vous avais dit que j'avais une idée pour faire un Marseille sweater de petite knit. Et donc je continue à cogiter à ça, comment j'allais arranger mes couleurs et tout, et je sais plus pourquoi, mais je suis allée jeter un coup d'œil sur des pages Ravelry de plusieurs personnes. Je crois que ça a commencé par Gaga, mais je suis pas sûre, pour regarder un peu quel modèle elle avait tricoté, quel combo de laine elle avait utilisé. Et je suis allée sur la page Ravelry de ma copine Lily, donc Aurélie, qui a le compte Lily and Her Doggies sur Instagram, et qui est du coup une bonne amie avec qui je passais beaucoup de temps quand j'habitais sur Paris, et que j'ai revue depuis plusieurs fois. Je suis déjà retournée chez elle à plusieurs reprises, etc. Et Lily, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspirée, parce qu'elle, ça fait des années et des années qu'elle tricote, et du coup, elle a un très bon niveau de tricot.
Et en plus, elle a un univers très très coloré qui ne correspond pas au mien, mais c'est toujours fait avec beaucoup de goût, je trouve. Et donc, je suis allée me balader sur sa page Ravelry pour voir un peu les différents ouvrages qu'elle avait fait, etc., pour me remémorer. Et je suis retombée sur un pull qu'elle portait quand on était allé à New York, à Vogue Meeting Live, que j'avais trouvé trop beau à l'époque, mais comme à l'époque j'étais peut-être un peu moins confiante dans mes capacités de tricot, je considérais que j'étais trop débutante pour ce type de modèle, je l'avais juste mis en favori et je l'avais un peu oublié, ce patron-là. Et en regardant la page Ravelry d'Aurélie, du coup je retombe dessus et je me dis « Ah là là, mais c'est vrai qu'il y a ce modèle, mais maintenant je peux le faire, j'ai les capacités de le faire ce modèle-là ». Et donc bah, j'ai commencé à regarder les idées de filles, les différents projets qui ont été faits de ce patron, etc. Et en fait, j'aimerais bien que ce patron-là, je vous dis pas encore ce que c'est parce que en fait j'hésite, ce patron-là, j'aimerais bien que ce soit mon petit challenge que je réalise avant d'accoucher parce que, comme je disais, je pense que de manière réaliste, j'aurai forcément beaucoup moins le temps de tricoter quand j'aurai une petite puce, d'autant que j'espère pouvoir réussir à l'allaiter, donc ça va m'occuper les mains. Et je me dis que j'aimerais bien me faire un gros ouvrage difficile avant la naissance, même si je le porte pas forcément tout de suite et que je le porte qu'à l'automne prochain, c'est pas grave, mais pour me challenger un dernier coup avant de me faire des ouvrages qui vont être plus basiques, pour que je puisse les mettre de côté, les reprendre, les mettre de côté, les reprendre quand j'aurai un rythme de tricot qui sera beaucoup moins soutenu. Et en fait, c'est un peu un pull qui est dans le même esprit que le patron de André Amaury que j'ai envie de faire, dont j'ai mangé le nom mais dont j'arrête pas de vous parler depuis un moment. Mais la différence, c'est que c'est un patron qui se tricote en épaisseur de laine worsted, donc ça va quand même plus vite. Et je me dis que je pourrais faire tricoter ce patron-là et je le commence maintenant, je le tricote un petit peu toutes les semaines. Et après, j'aurai le temps de le finir pendant mon congé mat. Et jusqu'à l'accouchement, parce que du coup j'aurai du temps de tricot, et puis bon, je pense que je m'amuserai pas à courir dans tous les sens, à mon avis, j'en profiterai pour me reposer avant que mes nuits changent. J'étais en train de réfléchir à tout ça, et du coup je me demandais quel combo de laine je pouvais utiliser. Et j'ai dans mon stash de la laine de chez The Woolly Skin que j'ai acheté du coup il y a 2 ans et demi, 3 ans. Dans un très joli coloris qui s'appelle Cappuccino. Mais le problème de ce très joli coloris, c'est que sur moi, c'est très fade. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, je ne les ai pas tricotés. J'adore la couleur. Mais je ne sais pas comment la tricoter parce que je trouve que ça fait fade sur moi par rapport à mon teint, etc. Et au début, je commençais à me dire, du coup, cette laine... Je vais la mélanger avec le mohair que j'ai acheté au chat qui tricote, qui est un beige mais qui est plus rosé. Et avec mon alpaca de chez Drops pour obtenir un échantillon worsted. Et je tricoterai ces trois laines ensemble pour le fameux patron dont je viens de vous parler. Alors, en fait, je vais vous mettre lequel c'est de patron parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Et si je voulais pas vous le dire à la base, c'est parce que donc dans le cadre de ce challenge, je m'étais dit que je ferais peut-être une vidéo dédiée. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, le patron en question, c'est le modèle Favo Sweater que je vais vous mettre juste ici, qui est un patron de Fibernets. Donc, je me suis dit que en rajoutant la flora, ça permettrait d'avoir un côté un peu plus peps et donc que ça serait mieux. Mais en même temps, je me suis dit que ce coloris-là, ça m'embête de le supprimer, entre guillemets, parce que le travail de teinture, il est quand même beau, c'est un joli semi-solide. Donc j'ai continué mes réflexions et en fait, je pense être arrivée à la conclusion de ce dont je vous ai parlé hier. Enfin, pas hier, mais dans la partie précédente du vlog, je vais y arriver, c'est-à-dire de faire mon Marseille sweater, là. Et ben là, je vais tester ça avec vous, parce que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais je me dis que peut-être qu'il serait plus judicieux de mélanger, aussi par rapport aux quantités, pardon, je pars dans tous les sens, je vous avais prévenu que je partirais dans tous les sens, j'ai pesé ce que j'avais comme laine de cette laine amourée, là, et j'ai 282 grammes.
ou 290 grammes. Si je la double, du coup, pour avoir une épaisseur d'éca pour la tricoter sur le Marseille sweater, j'ai un peu peur de manquer légèrement en quantité de fil. Donc, je me dis que l'autre option serait d'utiliser l'Alena Mouré pour tricoter le Favo sweater, donc en triplant avec l'alpaca, le brushed mohair et ça. Et ça m'embête moins de mélanger ces trois laines. Pourquoi ? Parce que ça, même s'il y a des légères touches de rosé, le travail de teinture, il est moins important, entre guillemets. Donc, je vais faire un échantillon en mélangeant ces trois-là pour voir ce que ça donne et voir si mon idée peut marcher. Et je me suis dit que le Marseille sweater, pour le coup, je pourrais le faire en utilisant le cappuccino que j'avais prévu dans tous les cas de doubler avec ce mohair qui est très identique. Mais est-ce que ça va aller avec du rose ? On va tester ça tout de suite. Alors, avec ce rose, zéro problème. C'est très joli. Avec ça, ça le fait aussi, je pense. Avec ça, ça peut le faire aussi. Ouais, en vrai, il y a moyen que cette idée... Ça, je suis moins sûre. Moi, quoique. En fait, je vais faire un échantillon pour les deux. Voilà. Je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que ce week-end et entre ce week-end et lundi, je vais échantillonner pour ces deux projets-là et je vais voir si mes idées collent, fonctionnent ou pas. Mais je pense que ça peut le faire. Donc, je vais faire les switches des sacs, tout mettre hop, ensemble. Hop. En fonction de ce nouveau plan-là. Je vais en avoir à mettre en cake. Donc, j'ai ça à mettre en cake. Et ça à mettre en cake. Et comme ça, je vais pouvoir faire des échantillons. Ah, j'ai tellement envie de faire ça maintenant. Pourquoi je travaille cet après-midi ? D'ailleurs, je vais checker l'heure. Non, c'est bon, 13h30. On est large. Mais bah, à la limite, 13h30, on est large, tant mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre en cake ces deux échevaux. Comme ça, je vais échantillonner. Et je suis trop excitée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'en vrai, c'est pas des mauvaises idées, là, ce que je viens de vous dire. Alors, du coup, pour vous, ça va être en mode suspense, parce que vous aurez probablement à attendre la semaine prochaine avant de voir le résultat de tout ça. Mais écoutez, tant mieux, ça vous fera revenir, j'espère, en tout cas. Mais donc, voilà un peu où j'en suis de toutes mes folles idées en ce moment, toutes mes folles envies. Je vais mettre tout ça en cake. Je vais... peut-être même faire un échantillon dès aujourd'hui. Je vais voir. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vais vous laisser pour cette semaine. Comme ça, ça me laisse... d'ici demain matin, j'ai le temps de finir de monter cette vidéo, de la mettre en ligne. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec potentiellement des échantillons qui vont valider ou non mes pulsions. Et potentiellement des nouveaux projets, peut-être, des nouveaux ouvrages. Et je l'espère, un ralinculus qui sera bien avancé. Mais bon, si je commence à faire des échantillons dans tous les sens, ça va être compliqué aussi d'avancer le ralinculus. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. En attendant, passez un très bon dimanche. Prenez soin de vous, tricotez bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye. I wanna take you by